Hiver 1852. L'an dernier, j'avais hâte que l'été finisse tant il faisait chaud. Que la place de la Bourse semble belle depuis ce côté du fleuve, cachée, il est vrai, par plusieurs navires. Certains laissent derrière eux des traces noires dans le ciel. Le journal La Voix des Femmes est suspendu. Eugénie Dimboyer, la directrice de publication, nous convoque à Paris pour organiser la suite. L'ambiance est tendue. Deux Victor sont en cavale, Victor Schœlcher et Victor Hugo, banni de l'Empire. Jusqu'à quand ? Bordeaux, automne 1914. Je n'ai pas repris la plume depuis la mort de Jean Jaurès cet été. Maintenant que tout le gouvernement est à Bordeaux, je pense irrémédiablement à lui. N'avais-je pas cru au projet de loi pour le droit au suffrage des femmes ? J'ai tenu à m'éloigner de la gare Saint-Jean où viennent, partent et reviennent tous les députés et consorts. Cette nouvelle gare est tellement efficace depuis son achèvement en 1898 que la ville en est transfigurée. Les terrasses du centre-ville sont prises d'assaut, les allées de Tourny sont méconnaissables. J'ai failli me faire renverser plusieurs fois. Le tramway, les voitures et toutes ces bicyclettes. Fin du grand bi. Un poste TSF est au sommet de la flèche de Saint-Michel. J'ai rencontré une des premières femmes inscrites à l'Université de droit de Bordeaux, Manon Cormier. Nous avons tellement discuté que l'article paraîtra dans une semaine tant j'ai de la matière pour son portrait. Il est indiscutable que Madeleine Pelletier a raison quand elle nous dit qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient, car le milieu social forme le sexe psychologique. Le ministère de la guerre siège à la faculté de lettres, celui de l'instruction publique à la faculté de droit. Marguerite Durand a relancé le journal La Fronde que j'aimais tant. 45 000 étrangers ont été internés dans des camps. En réalité, j'ai déposé un projet du coup, au conseil d'administration du Fonds Créer Atlantique, qui se situe à Bordeaux, particulièrement dans le quartier de la gare, côté Belsier, donc rue des Terres de Borde, etc. Et moi, ce qui m'intéressait d'étudier et d'écrire, c'était quelque chose lié au féminisme, parce que c'était pour moi très important, et que je trouvais que j'avais peu de connaissances de l'histoire du féminisme. Et donc, j'ai pris ce prétexte pour écrire le journal d'Elvire, qui est cette femme qui a 30 ans, à trentaine en tout cas, et qui traverse des siècles depuis le Second Empire, 1852, jusqu'en 2017, jusqu'à MeToo, Balance ton port, et qui va rendre compte des évolutions de la ville, de Bordeaux, de l'histoire de la France, de la France, et puis du quartier de la gare précisément, avec un axe qui est féministe et donc elle va rendre compte des évolutions, des avancées, on va dire, des droits des femmes. Nuit bordelaise. Puisse-t-elle ne jamais s'assécher ? Couler fine tout le long. Cette nuit, dégringolée. Du pressoir à la déraison. De la cadence à l'éruption. Puisse-t-elle ne jamais s'arrêter ? Tous ses souvenirs. Des briques marron d'une cour bien carrée, aux rambardes froides des balcons. Géranium après géranium se crucifie des visages dans mon âme. Toutes ces bonnes sœurs sur la place, mon corps bâtard non baptisé qui la traverse. Qui sait ce que je deviendrai ? Jasmine sur son tapis volant, Cendrillon et son prince charmant, Jack London sur l'Excelsior. Cette même violence, ce même racisme, et tous ces saints dans tous les noms, ces rues, ces écoles, ces arrêts de bus, quelque chose ici n'est pas passé. Quelque chose persiste de monstrueux. À la télévision, ces femmes brûlées, encore un homme un peu jaloux et ivre. Quelle femme aujourd'hui ne sait-elle pas cuisiner, coudre et écouter ? Je parle plus fort que le son de l'aspirateur et pas assez pour qu'on m'entende de l'autre côté. Sortie du ghetto. Nous, gentilles filles, bien rangées, bien pensantes et bien élevées, place à l'invraisemblable, au sauvage, à la liberté. C'était à la base un projet qui avait vocation, on va dire, à être collé, affiché, rue des Terres de Borde et sur les vitres du hall 3 de la gare Saint-Jean. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un livre sort de tout ça. Il sort le 7 juin chez les éditions Le Bord de l'eau.
Ce livre s'appelle Le journal d'Elvire, bien sûr, suivi de Histoire d'une femme du 21e. Et en fait, j'ai pris le même principe que pour Elvire. Donc, Elvire raconte en 10, 11 textes un peu sa routine, voilà, comment on change de quartier, comment les femmes peuvent divorcer, avorter, etc. Et dans Histoire d'une femme du 21e, je vais raconter en 10 textes ma prise de conscience du féminisme et mon engagement dans cette lutte, on va dire. Fais-nous rêver. Suis-je là où vous m'attendez? Là où, pour rêver, des vers couleraient de mes mains vers votre bouche et récitant, pensif, tout à coup éclairé, vous comprendriez cette magie, cette terrible illusion, ce leurre de croire que je suis là pour vous faire rêver ou vous plaire ex-réalité? Là où je suis, l'urgence de dire pour moi, qui pense à vous, mais pour moi, avant tout. Alors pourquoi j'ai voulu écrire le journal d'Elvire? Parce que je trouve que le féminisme, c'est une thématique qui me tient à cœur et que c'est une lutte importante aujourd'hui. Que en tant que femme, on est face à des problèmes qu'on n'aurait pas en tant qu'homme. Et que c'est bien, justement, de revisiter l'histoire du féminisme et de se rendre compte que toutes ces luttes n'ont pas servi à rien, mais que ce n'est pas linéaire, comme disait Mona Chollet d'ailleurs, c'est pas linéaire, qu'il y a des reculs, des oublis, et qu'en fait, il faut tenir la barque pour, en vue de parvenir à plus de droits, on va dire, et que finalement, on ne soit plus tenu à son genre. Et moi, ce serait ça, mon idéal, ce serait qu'on soit plus tenu à son genre. Donc, Elvire, voilà, cette femme un peu assez en avance dans son temps, trentenaire, qui traverse des siècles, qui raconte Bordeaux, je trouve, c'est un personnage important, parce qu'elle va nous indiquer voilà, tout ce qui s'est fait et tout ce qui reste à faire aussi, peut-être. Voilà. J'y ai toujours cru. Sur mes joues révoltées, la rosée d'un avenir. Je ne compte plus mes blessures, ni mon désespoir. J'ai gagné déjà ce que d'autres croyaient mort. Les années s'enfilent et je cours toujours plus vite. Je ne suis plus seule.